Bonjour, Alex. Mais tu m'as fait peur. Mais pourquoi tu parles comme ça? C'est normal, c'est la fête d'Halloween. Ah, ok. Bonjour, Cécile. Oh, c'est vrai que c'est flippant. Hein. Allez, Zou, l'histoire. Pour Halloween, Vavroom est invité au restaurant du Capitaine Cookies, le coquillage gourmand, pour la fête de la trouillette pirate. Oh, que c'est amusant! Tout le monde est déguisé en pirate vampire, en pirate fantôme, en pirate momie, en pirate princesse. Le Capitaine Cookies a préparé un potage fumant au kraken des abysses. Oui, en fait, c'est un velouté de citrouille. Vavroom le trouve délicieux, mais il manque à cette recette un brin d'épices magique. Aussitôt, de sa besace enchantée, la sorcière sort ses ingrédients. Pour cette soirée de la trouille, potage à la citrouille, j'ajoute une pincée de chatouille, un soupçon de bafouille et un nuage de carabistouille. Voilà, c'est prêt! Les pirates se jettent sur la marmite. Oh, les petits monstres! La soupe est avalée plus vite qu'il n'en faut pour dire Dracula! Et aussitôt, directo, à la casouille, à la gafouille, nom d'un squelette décoiffé! Tous les pirates se transforment en citrouille! Oups! J'ai peut-être un peu forcé sur les proportions. Et voilà! C'est tout pour aujourd'hui! Non, faut que j'arrête de faire ça. Non, vraiment. Non, je me file la trouille tout seul. Tu sais que je me file la trouille toute seule, là? Oui, je vois, oui. Hein? T'as des conscience? Je remarque. Que... Oui, alors d'accord, Halloween. Hein, mais d'accord, mais doucement quand même. C'est si. Voilà, moi c'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tôt. Oh, mon Dieu, j'ai peur. Oh, non, ça suffit. Ça suffit. Oui, les petits monstres. Non, un bigorneau.